Bon, si vous êtes sur la vidéo qui est sur FlabXCV, bienvenue à vous dans ce tout nouvel épisode Custom Map Zombie. Aujourd'hui, on se retrouve avec une petite map, les petits classiques du Custom Zombie. Nous sommes sur une map où nous sommes dans une sorte d'entrepôt, une sorte de complexe avec que des couloirs. La map est du coup assez compliquée, mais voilà, ça reste un petit classique. Bye-bye Landing, ça fait toujours plaisir de revenir un peu aux sources du custom. Bref, si vous kiffez toujours autant les épisodes Custom Zombie, pensez à liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne FlabXCV pour ne pas louper une seule vidéo zombie. Il y a 4 nouvelles vidéos par semaine, donc pensez à activer la cloche des notifications. Et nous, on est parti pour tenter de faire cette petite map Facility Downfall sur Black Ops 3. Ce Facility Downfall. Ici, au début, je pensais, tu vois, que l'ascenseur, on allait pouvoir le prendre. Mais non. Du coup, pièce du coin, ouais. Un Teddy ici. C'est où l'autre Teddy? Je l'avais vu. J'essaie de... J'ai fait une petite pause. C'est une porte à 750. J'ai peut-être essayé de voir pour la prendre. Peut-être qu'il y a un Teddy là. Une porte à 750, du coup, tu me dis, ça me tente. 1500... Peut-être peut y avoir une... Ok. Y a pas d'arme. Ah, j'ai le seum, y a pas d'arme. Ah. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai déjà pris des points, évidemment. Bon. Au moins, y a les bâtons. Ah, y a... Oh, y a Masto là-bas, déjà. Ok, on sait où est Masto. Ah, va falloir ouvrir les portes à 1500. Le shopping, c'est bon, le shopping est validé. Tous les items que je voulais, c'est bon, je suis content. Ma soirée est refaite. Quoi? Couche panier, mon pote. Mon pote à la compote. Ok, ok. En vrai, pour l'instant, M14, elle fait le taf, hein. Franchement. Ok. Ah non, putain, c'est que des couloirs, frère. Ça, c'est la machine de mort qui machine de mort. Dites-vous, ouais, que sur la map, on a un buyable landing à faire, du coup. Donc, c'est comme ça qu'on finit la map, hein. C'est en payant les points qu'il y a à payer. Mais bon. Quand on voit, on va dire, l'espace dans la map, le temps d'économiser des points. Oh, bah, c'est vrai que c'est pas de ta faute, hein. En tous les cas, j'ai ouvert la porte. En tous les cas, je te rassure. Oh, le double point. Je suis un connard. Pardon. 1500 ici, ou il me sert un zapper. Du coup, je suppose que... Ok, on a des barres d'acide gâte en plus. Ce qui m'inquiète grandement, c'est quoi, plus j'ouvre de portes, et plus, en fait, c'est juste des zones restreintes. C'est des coffres d'âme, ces trucs-là, en plus. Ouais, singe, c'est cool, mais j'avoue que c'est pas le truc que j'aurais préféré avoir en premier. La map, c'est les impôts, je te jure. C'est l'exap, j'espère que tu vas bien. Qui d'arme code 4. Oh mais non mais, non mais... Mais c'est bon. C'est quoi ce délire? Ok. Ouais, ça va que la M14 est vraiment bien. Oh, let's go. J'attends que les zombies se ramènent. Non, toujours pas fini, coffre d'âme. Ouais, bon, attends, pour la nuke. Vas-y. Non, mais c'est encore un couloir, mais putain, mais... c'est chiant. Généralement efficace. Bah ouais, c'est ce que je remarque, hein. Franchement, vachement cool, la M14. Mais la map, tu vois, en termes de... Pas de design, mais tu sais, de comment elle est pensée, agencée, avec la musique de fond, ça fait penser un peu au... aux anciens jeux qu'on avait sur Play 1, Play 2. Un peu infiltration. Je suis giga heureux là actuellement de ce que je suis en train d'obtenir entre la boîte, entre le mur. Ok, les coffres d'âme ont l'air giga... Ah, je vais dire giga long, mais même pas tant que ça en fait. On va essayer de faire les coffres d'âme peu à peu. Parce que je pense que pour le buy balancing, il faudra faire les coffres d'âme. En tout cas, dans la grande majeure partie des cas, c'est ça.
Je pense qu'on va se laisser un zombie aussi, on va ouvrir un peu toutes les portes qu'on peut. Viser, c'est bien de viser, en vrai. C'est un truc, c'est pas dégueu, quoi. Impeccable. Ah, une clé est requise pour cette porte? Merde. Je pensais que c'était 750 aussi. Ah, mais on avait cette porte, j'avais oublié. Le con, mais le con, mais en plus, on est énorme. Ok, une autre part d'acide gat, c'est cool. Vas-y, 1250, on va explorer un peu. Oui, non, en fait, c'est définitivement que des couloirs. Ah bah, la keycard. Encore un coffre d'âme là. Là, ici, c'est fermé. Là, ici, c'est fermé. Là, on a double tap. On va aller ouvrir celle qui était là. Ok, ça nous ramène au-dessus, en fait. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Ouais, là je t'avoue que j'ai peut-être m'acheter l'MP5 en vrai. Par contre, il y a un nombre de portes, c'est ouf. Super. Ouais, on va aller refaire des coffres d'âme en bas. Du coup, là c'était la porte à 1500 que je n'ouvre pas parce que ça me permet comme ça d'avoir un cul-de-sac, un truc fermé vu que c'est celle qui ramène là où je faisais mes coffres d'âme. 6 bâtons de glace, il y a l'avoir, tu dois. Ah bah évidemment. Évidemment, je sais pas comment on les a les bâtons. Ou si on peut les obtenir, ou c'est juste du décor. Je vous avoue que j'en ai aucune idée. Quel MP5 reste assez efficace, franchement. Machine de mort, vas-y go. On va faire ce coffre d'âme là. Et l'autre, du coup, il était au-dessus, je crois. Hein, j'en ai vu en haut. Ok, mais du coup, c'est plus grand que ce que je pensais en fait. Hein, la map. Je pensais que là on était arrivé au bout et que c'est une petite map challenge, mais non, c'est l'air d'être assez vaste. Map vaste remplie de couloirs. Évidemment. Ok, à chaque fois ça donne des machines de mort d'ailleurs. Ah mais attends, keycard. Attends, on va pas passer la manche. J'avais la clé d'accès. J'ai oublié. Putain de connard de... Ouah. Pardon. Désolé pour ma vulgarité. C'est juste que je m'attendais pas à voir un fumier ici, quoi. Ouais, on va attendre que la mort ascende parte, on va faire un rampant. Oh, le timing. Oh, le timing. Je vais pas mentir que je faisais pas trop le malin, là. J'étais en mode... J'avais pris peut-être un peu tôt la grenade. Ok, on a le wave gun aussi qu'on peut peut-être obtenir. Pick up part. On a deux pièces du courant. Peut-être qu'on peut le craft. Je dis bien peut-être. Je pense pas qu'il se craft là-dedans. Peut-être dans la salle centrale. Quand il va le canatou. Ok, on a le courant. Let's go. Et ça nous a ouvert la porte. Impec. Masto, instant. Rien à foutre. Ah, j'ai pas vu le logo d'atout. Oh, c'est pas les dégâts de BO3. Oui. Oui, 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 c'est de BO1. Évidemment. Sinon, c'est pas dans le. Vas-y, on tente. Attends, mais c'est immense. Pardon? Monsieur Milk. Ok, là ça ramène de... Ok, à cet endroit là en fait. Ah, donc sans activer le courant, je pouvais avoir accès en fait à cette salle. Ouais, je vais continuer un peu d'explorer la map. Dernière pièce d'acide gat. La MP44. On a activé la musique secrète aussi en plus, au cas où. Et encore une porte à 1250. Super. On va aller faire le coffre d'âme qui était au top. Voilà, si je tiens par où j'étais passé.
C'est de sur les portes, mais je te jure, il y a des portes de partout et le prix des portes. Mal au cul, quoi. Il était où le coffre d'âme? J'en avais bien vu un. Ici ça s'ouvre pas, ici ça s'ouvre pas. On a double tap à côté qu'on va acheter direct. Dès qu'on a 2000 points, c'est double tap instant. Rien à foutre. Attends, j'ai l'impression que j'ai pas de spawn ici. Dans les PC, ils ont pas l'air de s'activer en tout cas pour l'instant. C'est Diablo! J'espère qu'il va bien. Pour les portes, c'est le bayable ou non, je te jure. Ah, surtout, faut que je me stuff à côté. Bonjour. Ok. Double tap direct, trop important. Double tap. Y a pas de coffre d'âme autour ici. Y a pas l'air. Donc. Il nous reste un zombie, j'irai bien voir du coup à la porte à 1250. Oh, le double tap 2.0 aussi, Lyon, il est magnifique, je trouve. Franchement. C'est le Scriptou! Comment est-ce qu'il va le légendaire Scriptou? C'est le Smaz également. Smaz. Ma musique, c'était du Avenged Sevenfold Metallica. Avenged Sevenfold, apparemment, bah j'ai bien fait de la couper. C'est du coup aussi également. Ah oui, c'était cette porte-là, 1250. Ok, on a l'accès au Pack a Punch. On a. D'accord. On a la Magma Gate carrément. Ouais, je peux faire. Donc, ouais, on a la Blender qu'on va pouvoir récupérer. On a trois armes qui est ici. Et je pense que. Ce sera le Bayable Ending qui sera juste là, effectivement. Je vais vérifier sur Steam s'il n'y a pas un shootable Easter Egg, mais je crois que je confonds avec Croft Manor. Où il y a du shootable sur Croft Manor. Ah, on a une nouvelle petite map qui vient de sortir. Oh, attends. Peut-être rajouter une map sort qui était pas prévue, mais je viens de voir une petite map qui est sortie. Oh, ça a l'air mignon comme tout en plus. Ça a l'air d'être survie. Petit passe-passe après aussi, ce serait cool. Ah, j'ai loupé un coffre d'âme. Quoi? Hein? Non, attends, me dis pas que j'ai loupé des portes encore. Non, et c'est bon. Mais sur un rêve qui vient de sortir, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bayable ending. Ok, bon, on verra si on l'a fait ou pas, mais ça a l'air mignon comme tout, une map qui va être ajoutée. Toi, je vais te laisser en vie, mon petit pote. À se prendre quelques atouts, quand même. Hein. Comme je disais, passe-passe. Ou alors, il y a un autre coffre d'âme là-dedans. Je... Je pense qu'on est limité en atouts également s'il a mis un achat de slot pair qui est à 5000. Oh le connard, je l'avais pas vu, pardon. Je l'avais pas vu le fumier. Ok, bon, déjà on a trouvé potentiellement le dernier truc. Ouais, je peux bailler des perslots, mais en vrai je préfère économiser mes sous pour le bayable. Ce qui permet de finir un peu plus en plus basse manche plutôt qu'acheter des atouts pour acheter des atouts. Je t'avoue que là j'ai les 4 essentiels. J'ai même limite envie d'améliorer la M14, hein. 13 perks, il y a 5 perks limite et on peut acheter des perks slots, c'est ça. Black Ops 1 perk and power up icons. Brutus mini boss, Nerfar Master Weapon, Blunder Gat, Acid Gat, Gat, Wonder Weapon, Craftable Acid Gat, Soulbox for Bay Blending, Music Easter Egg, Metallica for Womb the Bell Tolls, Custom Rune Change Music. Donc ouais, ça a l'air d'être juste vraiment du survival. Mais par contre, j'ai l'impression que Wavegun et Bâton c'était vraiment en décor. L'essentiel de base, voilà, c'est ce qu'il faut.
Je vais améliorer l'M14. Tiens, d'où toi? Pas faire peur comme ça. Et c'est bon, on a tous les coffres là, on peut faire le body balancing, mais avant j'améliorerais bien pour voir le camo, même si je pense que on serait potentiellement sur le camo de The Giant. Patience infuse, mais... Voilà. Ce dive est sadique, je te jure. Sadique. Le truc que j'ai fait durant stream vendredi, c'est... J'ai pas compris le code de quoi. Tu me montrais... Qu'est-ce que tu veux me montrer? Laisse pas ton caleçon s'il te plaît. C'est la blague de Bob de la soirée. J'ai rien dit. On est sur une bonne map, c'est bon. C'est bon. Et c'est... Oui, bah oui, 55 000 points, pourquoi pas, dans 3 mètres carrés à chaque salle. Ah oui, ça va être une bonne idée, ça, tiens. Bon, au moins, c'est une map un peu challenge, en vrai. Ça tune, bien sûr. Bien sûr. J'ai pas pris les 3 vestes, par contre, j'ai juste pris la grise et blanche. Parce que j'ai déjà beaucoup trop de vestes noires. Et en vrai, la bleue, elle me parlait pas trop, parce que j'ai pas beaucoup de trucs pour aller avec. Mais sinon, j'ai pris les 2 pants et les 2 t-shirts. En gros, 2 pants, 2 t-shirts et... Et la veste fluffy blanche et grise. Voilà. La blanche, elle est folle, elle est incroyable. Hein. Plus avec le code promo qu'il a foutu sur Discord, hop, 10% au moins. Ça fait plaisir. Merci le Révi qui carry. Takimo, non, en vrai, ça se marie avec beaucoup de couleurs. Hein. Mais juste ça, je veux dire, dans mes chaussures, et j'ai pas de truc qui. Voilà. Ah, ça de la même. Ah, les pans, depuis tant que je les attendais, depuis tant qu'ils les montraient en photo et tout, j'étais en mode putain, mais sors-les un jour. Ah, je suis content, j'ai réussi à avoir les deux. Ça m'est bien. Oh, machine de mort. Viens là, toi. Économiser un peu de balles. Ces balles d'M14 ont envie de partir. En vrai, j'ai limite envie de prendre 3 armes. Hein. Oh, plus de balles. Et Natox, merci beaucoup les 41 mois de sub. La white, ouais, la white. Lunaire. Vraiment un délire. Cosival Natox, merci beaucoup. Et 41 mois, tu commences à être un vieux. Ah bah t'inquiète Lolman, t'inquiète, moi celui-là j'aime bien, tu vois, son petit plaisir. Ah mais attends, mais j'ai récupéré des balles. Il faudra vite un max de double points, en vrai, ce serait le luxe hein, pour finir le map. Oh, trop hautement possible. En plus, il n'y a pas de shield, je suis en train de capter, donc ouais. Hein. En vrai, ça va le faire jusqu'au moment où on pourra plus tenir, que les zombies auront trop de vie. Parce que sur map, on peut pas tourner, hein. Littéralement, c'est pas possible, quoi. Je sais pas où te contacter. Insta, si tu veux, Lolman, à la limite. Sur mon Insta principal, le Flapix avec 2 i et pas le Flapix CV. Ah, mais d'ailleurs, la musique secrète a dû se finir. Histoire qu'on profite de la musique de manche spéciale custom. Oui, ça, j'ai eu first try les singes, donc si jamais, voilà. Mais bon, après les singes, c'est pareil, je suis limité. Donc, oh, faire attention. Oh bah. Écoute, 130 points par kill. Si je peux drop un petit fois de pile à ce moment-là, ça ferait plaisir, quoi. Deuxième map, Pitstrom. On a fait la... Lost at Sea. La map un peu concept challenge. Et là actuellement on est sur notre deuxième. Et soir on a comme d'hab pour les lundis 5-6 maps à faire à peu près. Avec si on a le temps de vider en fin de soirée. Mais ça ça dépend parce qu'en ce moment le temps c'est un peu short. Du fait que j'ai beaucoup de projets de vidéos à terminer avant la sortie d'MW3. Et surtout que semaine prochaine je suis à la PGW. Du coup j'ai 5 jours de taf en moins possible. C'est pour ça qu'en ce moment il n'y a plus trop de que ce soit, même je voulais faire du MW2 en fin de stream de temps en temps pour monter mes armes. C'est pour ça que ouais, après la session zombie, il n'y a pas ces 1-2 heures MW ou...
ou Destiny, puisque bah du coup c'est short, j'enlève un petit peu de temps de stream. Bon, voilà, parce qu'il y a vraiment des trucs que je veux vraiment finir avant la sortie de NW3. Donc déjà j'ai ces projets de vidéos à finir. Mais en plus de ça, on a Waterpark et Vivictis qui sortent dans un intervalle de 3 jours avant que je parte à la PGW. Et donc il y a ça aussi à prendre en compte, où il y a forcément vidéo découverte plus guide à faire. Et tout ça avant ouais, la sortie de NW3, du coup ça fait que... On va dire ouais, le programme est chargé. Et vu que je me considère en tout cas plus comme youtubeur que streamer, je privilégie forcément le contenu YouTube. C'est mon contenu de base et puis même c'est le contenu que je préfère faire. C'est vrai que du coup en ce moment les streams ils terminent plus à minuit plutôt qu'à 1h du mat. Oh, je crois qu'on a glitch Brutus quelque part, il peut plus spawn. Enfin il respawn en boucle en fait. J'ai rien dit. Chier. Oh bah ça va. Oh bah ça va. Allez, Trump, aucun. Il y en a aucun qui est gratuit. C'est à le pro. J'espère qu'il y a bien. En vrai, on a déjà 32 000 points. Ce qui m'inquiète un peu, c'est les munes. Ah mais non, il y a juste eu deux Brutus. Ah mais j'avais pas compris ça, moi. Eh bah parfait, ça. Écoute, allez, let's go. Et merci. Mais du coup, on le rappelle, hein, ceux qui passent à la PGW 2023, j'y suis le jeudi 2 novembre de 16h à 18h sur le stand de mon partenaire Eraser, et le samedi 4 novembre de 14h à 16h. Voilà. Donc 2 novembre 2023 de 16 à 18, sans Eraser, et le 4 novembre 2023, sans Eraser également, de 14 à 16. Voilà. Donc s'il y en a qui sont dans le coin à ce moment-là, bah, n'hésitez pas à venir, histoire qu'on discute, qu'on se voit un petit peu. Camille, nope, tu peux pas. C'est du piratage illégal. C'est un custom ou elle le prend non custom? C'est vrai, custom zombie. Ah, on commence à avoir des petits bugs de FX. Bon, ça arrive souvent sur les maps custom, malheureusement. Bon, c'est juste, il n'y a plus de certaines lumières, enfin certains effets visuels. Pas très dérangeant, j'ai envie de te dire. Je sais pas pourquoi il est déclenché ce bug. Et dans tous les cas, c'est pas gratuit. C'est juste que tu télécharges sur un site illégal, c'est tout. C'est absolument pas gratuit. Hein. Je, tu dois le payer. Ah, soit à partir du moment où tu fais du téléchargement illégal, tout est gratuit quoi. Mais bon. Voilà quoi. Est-ce que Zombie W est l'une des meilleures ambiances? Oui. À chaque map, c'est une ambiance unique, quoi. C'est un peu une expérience à part entière, je trouve, d'une à l'autre. Et c'est vraiment cool. Oui, Camille, ça ne change pas que c'est du piratage illégal. Exactement, comme dit Mason, Plutonium n'est qu'un launcher. Un truc qui te sert à exécuter tes fichiers. Mais de base, tu dois quand même avoir les fichiers cibles. Sinon, bah, comme dit juste avant, c'est du piratage. Camille, si, c'en est un. Le Plutonium, ce n'est qu'un launcher. Un truc qui te permet d'exécuter ton fichier. Comme moi, j'ai mes jeux achetés sur Steam. Plutonium, je lui dis, bah tiens, mon jeu que j'ai acheté sur Steam, il est là. Plutonium, ce n'est pas le jeu. Hein. C'est juste un launcher, un exécutable. Si tu... Enfin, pas un exécutable, mais un exécuteur. Pas trop comment appeler ça. Le coach, je te jure, il y en a, ils pensent plutôt c'est le jeu complet. Non, Plutonium, c'est juste un launcher, comme on appelle ça. Un truc qui te permet de lancer ton fichier que tu as sur ton PC. Enfin, ton jeu que tu as sur ton PC. C'est pas un jeu ou une version du jeu, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a, le pro? Takimo, le meilleur zombie, la meilleure ambiance à W. What the... What? Ah, hein? Voilà, U21, ouais, c'est un peu... Oui, on peut appeler ça comme ça aussi, effectivement. En vrai, ça va le faire, hein. Bah, si vous voulez tester la map, M14. Vous prenez M14, regardez, c'est littéralement l'arme broken. Camille, nope.
Pas du tout. Il les offre absolument pas. Absolument pas. Ah mais j'avais pas vu, mais attends, mais c'est bon, on a assez, flawless, bah voilà. Moi qui paniquais parce que c'était que des couloirs.